Après traitement, nous allons rincer le tout avec le woodguard, le net troll et la G. Ok, on y va. On y va. Il y a Maxou qui est là. Si tu as l'occasion de te mettre de l'autre côté quand même pour l'ombre, ce serait mieux. On peut tout mouiller, oui, tout à fait, ça va. Oui, il faudra. Il faisait beaucoup d'eau, à mon avis. Ouais, il n'y a pas assez d'eau. Faut pas hésiter à y aller. Mais par contre, on a... ah, le tuyau a été tiré là-bas, il est passé dessus. Si, si, là-bas. Bon, petit problème technique. On a coupé le tuyau d'eau. Attention, ça va arriver, ça va se piter. Et voilà, ça va mieux tout de suite. Hein ? Pas dire que ce soit impressionnant comme ça dans un premier temps. Et on fera que les assises pour l'instant pour la vidéo et on fait le côté après comme ça. Si. Ouais, ouais, ouais. Deuxième passage est moins impressionnant. Hein. À mon avis, le bois était très très abîmé. Et là, pour le coup, le HG paraît plus efficace. Mais bon, attends, on va attendre le nettoyage. Un petit coup de rinçage pour la scie, puis j'arrête et on termine comme ça. Là, la couleur est similaire au reste. Bon, ben voilà, donc à tout à l'heure pour la suite après séchage.